Hello mes amours, recette jeudi à son boulette moro me porter pour nous. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour boulette moro ya? Moi-même m'a utilisé yon morceau moro parce que m'pas fond pile. M'a utilisé 4 pommes de terre, yon grain de piment, piment ça vraiment piqué, 2 échalotes, 2 grains d'ail, persil, un grain d'oignon ensemble avec poivre avec huile d'olive. Donc même sur pourquoi abonner à chaîne là, partager vidéo, quitter yon commentaire pour moi soutenir mes vidéos et puis on continuer regarder vidéo. Qu'on y a qui ça n'a fait? Pour nous faire boulettes moro ya. N'a rincer moro non avant. Pas sortir citron là-dedans. Rincer après ça, on va le mettre le bouillir. Mettre le bouillir, après ça on goûte le bouillir. Si le sale est toujours ça dépend de quantité de l'eau tu mets là-dedans. Après ça on va mettre le bouillir encore et puis on va goûter pour voir s'il vraiment de salé. Après ça on a préparé pommes de terre. Pommes de terre, on va presser pommes de terre, on met le bouillir ensemble avec toute peau et puis quand le bon on va le caler pour écraser. Donc on y a on va mettre pommes de terre bouillies. On va mettre pommes de terre bouillies. Et puis on continue. Quand il y a la pomme de terre qui est fine bon, fine prêt, on va le caler. Mettons petit l'eau frette là-dedans, caler parce que qu'on aime chaud. Mettons petit l'eau frette là-dedans et puis boum, caler pour écraser. Nous va le caser tant qu'on son pire pomme de terre nous t'a fait pas trop fin parce qu'on besoin pour caouler pour café boulette là. Pendant ce temps, l'eau fin craser ou pour préparer les ingrédients pour mettre dans la boulette là. Nous allons blender tout bagage que nous montrer nous. Quand y a là, nous fin piler pommes de terre. Quand y a là, nous allons blender échalote là, l'ail là, persil ensemble avec oignon. Donc c'est ça. Alors, nous allons ajouter un petit huile d'olive là-dedans. Qu'on y a nous pour le blender pour nos cafés mélange là. Ok, donc ma dit nous suivez-moi sur Instagram tout. Suivez-moi sur Instagram tout. Donc qu'on y a fin blender, qu'on y a pour le faire mélange là, mélanger ensemble avec pommes de terre avant. Après ça, nous pour le préparer moruya pour nos cafés mélange. Tout bagaille et puis recette là fini. Son bail qui vraiment fait. Facile, n'importe si mon café recette ça. C'est vraiment facile, pas compliqué. C'est ça que je fais toujours pour tes recettes. Ça, c'est un petit poivre que je vais ajouter là-dedans. C'est ça que je fais toujours pour tes recettes qui est vraiment facile pour nous, qui n'est pas compliqué. C'est comme ça que je toujours fais manger, je vais manger compliqué. Quand il y a là, nous pouvons le craser mon rouille. Ou que sous mon food processeur, on va passer là-dedans pour qu'il soit vraiment fin. Mais, je vais juste faire la fourchette. Je vais faire la fourchette bien crasée. Après ça, je vais faire mélange de pour commencer à faire boulette. Je vais montrer exactement qui je fais boulette là. Et pour faire boulette là, tout le bagage est fini. Quand je vais enlever des pommes de terre dans le Moria, Jean-Noël là, je vais enlever des pommes de terre là-dedans. Et puis, pour faire boulette et puis pour me gaffer. Et puis c'est la fin. Ok? Vraiment facile. M'espérer tant qu'on prend explication. Même là, comme si je n'ai pas d'explication, tu as vraiment compris. Parce que son mari qui est vraiment facile. Quand il y a là, je fais boulette. Je vais faire tellement trop gros. Même tout le est déjà cuit là-dedans. Juste pour un plateau. Je vais passer farine là-dedans. Quand il y a faire boulette. Pour me commencer à frire. Il y a un bon piment là-dedans. Un bon petit persil. C'est ça net. C'est ça net. Pendant ce temps, vous mettez l'huile au chaud ou vous commencez à fouiller. Maintenant, vous pouvez abonner à la chaîne là. Soutenez mes vidéos ça. Quitte un commentaire pour moi. Quitte un like pour moi. Dis-moi. Soutenez votre recette ou t'as même fait pour vous. Juste quittez-vous pour moi en bas dans le commentaire. Et puis, n'après demain si tu veux dans l'autre vidéo. Vous connaissez chaque jour ma pour ton vidéo pour nous. Vous comprenez? So, ciao ciao. Enjoy. Bon appétit. Sauf et ces recettes là, on va faire me connaître tout pour dire qui genre ça t'est sorti. OK, donc bye bye mes amours.